Il y a très longtemps, je suis tombée sur ce pack cadeau mystère de la marque Coucoute. Coucoute ? Coucoute ? Peu importe. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais on paye quand même 23 euros pour. Bref, sur le côté, ils ont quand même laissé quelques indices pour savoir si le cadeau va plaire à la personne à qui on va offrir le cadeau. Donc on va faire un peu de Sherlock Holmes et on va essayer de deviner ensemble ce qu'il y a dedans. Vous voulez bien ? Alors, on a un petit quiz, il faut pas qu'elle réponde une seule fois B. Ok, donc est-ce que cette personne a décoré sa maison ? Non, elle a installé de la moquette sur les murs, super. Est-ce qu'elle aime le DIY ? Elle a vu toutes les vidéos, ok. Est-ce qu'elle aime la couleur ? Donc c'est un truc à décorer sa maison en DIY où on peut mettre de la couleur, très bien. Est-ce qu'elle travaille dans le BTP ? Elle voudrait, mais elle est allergique au béton. Ok, donc c'est un truc à faire en DIY qui décore en béton. Donc je suppose que c'est un vide-poche ou un truc comme ça. Est-ce que cette personne perd souvent ses affaires ? Ouais, c'est un vide-poche, clairement. Est-ce que cette personne est organisée ? Est-ce que cette personne est créative ? Est-ce que cette personne sait suivre une consigne ? Bon bah écoutez, je propose qu'on fasse le unboxing. On se demande bien ce que ça peut bien être. Hein ? Allons-y. On ouvre. Et... tadam ! Un plateau en ciment à faire soi-même. Voilà. On l'avait deviné. Enfin, attendez, ciment ? Alors, dans les questions, on parlait de béton. Et du coup, bah, là, je me pose la question. Je me pose plein de questions. C'est quoi la différence entre le ciment et le béton ? Bah, ça m'a travaillé. Et je vais vous partager les définitions que j'ai trouvées. Le ciment, c'est une poudre fine fabriquée à partir de matériaux calcaires et argileux. Donc, c'est un liant. Et le béton, c'est un mélange de ciment, d'eau, de sable et de gravier. Voilà, je vous laisse quelques instants les définitions à l'écran. Maintenant, on le sait. Il y a donc trois colorants, un moule, un paquet fermé, alors je suppose que c'est ça le ciment. Il y a également des bâtons pour touiller et puis un mode d'emploi. Alors l'instruction elle est super simple. On prend 250 g de ciment, c'est la moitié du paquet donc on peut faire deux plateaux. Hein. On rajoute 50 ml d'eau, on met de la couleur si on veut et puis on verse. Bon, ça paraît plutôt simple, j'ai jamais fait ça, donc on y va. Alors vu qu'on peut faire deux plateaux avec le ciment ici, on peut réutiliser le moule et il y a beaucoup de colorants. Donc si on veut refaire ça, on en aura. Je trouve ça plutôt correct pour le prix, pour le coup. Donc on met le ciment, l'eau, on mélange, et je vous assure, c'est ultra fatigant pour le poignet. Allez, j'accélère un peu. Et là, il faut mélanger jusqu'à ce qu'on ait une sorte de glaçage. Ça donne envie de manger, mais il faut pas. C'est du ciment. Donc, on touille. Et quand je trouve que la consistance, elle paraît bonne, voilà, je rajoute un peu de colorant. Alors, pour le colorant, je dis toujours qu'il faut pas trop s'emballer parce qu'on sait jamais, ça peut aller super vite. On met quelques gouttes et on se retrouve avec une couleur ultra foncée. Là, le colorant, je trouve qu'il colore pas beaucoup, donc j'en mets un peu plus, mais j'ai quand même peur d'en mettre trop, donc vraiment, je vais partir sur un rose ultra pâle. Ensuite, on verse ça dans le moule, et comme le ciment est autonivelant, bah, pas besoin de se prendre la tête pour égaliser, hein. Je tapote tout simplement un peu pour enlever les bulles d'air, et puis ensuite, on laisse sécher 3 heures. Et 3 heures plus tard, on se retrouve pour démouler. Et là, c'est vraiment ultra facile. C'est encore plus sympa que la gesmonite ou la résine. En plus, quand vous touchez le ciment, la surface, elle est ultra, ultra lisse. C'est vraiment agréable au toucher. Alors, j'avoue, hein, y a quelques trous sur les bords. Et c'est pas très, très rose. Mais bon, pour une première, je valide. Je trouve ça vraiment très, très mignon. Alors, moi, je vais rajouter un tout petit truc. Je retourne le plateau. Et j'ai retrouvé des patchs antidérapants autocollants chez moi à la maison dans un tiroir et je vais les coller dessus. Comme ça, ça frottera pas sur la surface sur laquelle on pose le vide-poche et aussi bah, le vide-poche il va pas glisser. Alors moi je trouve ce cadeau pas mal du tout pour quelqu'un qui aime bien tester de nouvelles choses en matière de DIY, donc je valide à 100%. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, si elle vous a plu, abonnez-vous pour soutenir ma petite chaîne et je vous dis à très bientôt !